Offrons l'acclamation à Jésus de Nazareth. Avec les cris de victoire. La victoire des évangélistes. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous appelons directement le pasteur Jean-François Edogué. Et nous acclamons. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Asseyons-nous. De l'école d'évangélisation Abidjan 2024, et je peux te dire que tu as bien fait de venir. Par la grâce de Dieu, nous allons passer un bon moment ensemble. Oui, merci. Hier, nous avons eu un aperçu panoramique des prophéties où le Seigneur, que nous avons reçues, où le Seigneur insiste sur l'évangélisation, l'implantation des églises et les promesses du Seigneur nous concernant en tant que communauté par rapport à la croissance. Et nous en avons reçu une grande édification. Le Seigneur est avec nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et notre Dieu s'est levé pour œuvrer avec nous. Il y a ce merveilleux passage dans les Saintes Écritures. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Le Seigneur s'est levé pour nous donner la croissance. Et il y aura la croissance. Les âmes viendront. Mais notre responsabilité sera de les garder. Amen. Donc nous allons voir aujourd'hui et demain qu'est-ce que nous devons faire pour garder les âmes. Les nouveaux convertis, ils viennent. Comment nous y prendre pour ne pas les perdre? Alléluia. La première chose, c'est que les âmes qui sont gagnées, c'est Dieu lui-même qui doit les garder. Nous allons lire dans le psaume 127, le verset premier. Notre lecteur va lire. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison,
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, lui qui la garde veille en vain. Amen. Alléluia. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous voulons dire ce soir que si le Seigneur ne garde pas une âme, celui qui garde cette âme la garde en vain. Nous allons lire dans Actes au chapitre 16. À partir du verset 13, c'est la merveilleuse histoire de la conversion de Lydie. Nous allons lire du verset 13 au verset 16. Actes chapitre 7, du verset 13 au verset 16. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Actes chapitre 16, du verset 13 au verset 16. Actes chapitre 16, excusez-moi, du verset 13 au verset 16. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Amen. Amen. Le verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la ville vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Ses compagnons cherchaient un lieu de prière. Et pendant qu'ils cherchaient un lieu de prière, ils ont rencontré des femmes. Je dis ceci parce que après la conversion de Lydie et son baptême, le verset 16 dit, comme nous allions au lieu de prière, ils cherchaient un lieu de prière. Après avoir conduit cette femme au Seigneur, ils allaient au lieu de prière. Un évangéliste qui ne prie pas a déjà perdu la bataille. La Bible dit que pendant que Lydie écoutait, le Seigneur lui a ouvert le cœur. Ce n'est pas l'éloquence de Paul qui a ouvert son cœur. Ce ne sont pas ses connaissances. Qui a ouvert le cœur de Lydie? La Bible dit,
le Seigneur lui ouvrit le cœur, au verset 14, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur ouvre le cœur en réponse à la prière. Un cœur que le Seigneur a ouvert, personne ne peut le fermer. Il est dit de lui qu'il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et quand il a fermé, personne ne peut ouvrir. C'est la première chose que je voudrais dire. En définitive, pourquoi quelqu'un rétrograde? Parce que ce n'est pas le Seigneur qui a ouvert son cœur. Parce que quand c'est le Seigneur qui a ouvert le cœur, ce cœur, personne ne peut le fermer. Personne ne peut fermer un cœur que le Seigneur a ouvert. Il cherche un lieu de prière. Et après avoir conduit cette femme au Seigneur, ils allaient à la prière. La prière est au centre de la vie d'un évangéliste, d'un gagneur d'âme. Pourquoi? Parce qu'il vise une chose, que ce soit le Seigneur qui ouvre le cœur. J'aimerais 10 proclamations. Dieu ouvre les cœurs en réponse à la prière et personne ne peut fermer un cœur que Dieu a ouvert. 10 personnes proclament. Nous proclamons que lorsque le Seigneur ouvre un cœur, personne ne peut le fermer. Nous proclamons quand Dieu ferme un cœur, personne ne peut l'ouvrir. Oh Père, nous proclamons que tu ouvres le cœur de tous ceux à qui nous avons prêché l'évangile, à qui nous allons prêcher l'évangile. Et Seigneur, que personne ne ferme et ne pourra fermer ce que tu as ouvert. S'il te plaît, au nom de Christ. Amen. Je reprends ce que j'ai dit. Pour bien comprendre, le Seigneur ouvre les cœurs en réponse à la prière et personne ne peut fermer un cœur que Dieu a ouvert. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que le Seigneur ouvre les cœurs en réponse de nos prières et personne ne peut le fermer. Au nom de Jésus-Christ, amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que le Seigneur ouvre les cœurs en réponse à la prière. Et personne ne peut fermer le cœur que Dieu a ouvert. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Au nom de Jésus, nous proclamons que le Seigneur ouvre les cœurs en réponse à nos cris, à nos prières. Et personne ne peut les fermer. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que Dieu ouvre les cœurs en réponse à la prière et que personne ne peut fermer un cœur que Dieu a ouvert. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Qui a prêché à sa famille? Pour la prêcher à des femmes. Mais la famille de Lydie sort d'où? Et au moment où elle est baptisée, la Bible dit qu'elle est baptisée avec sa famille. Elle pleure avec les apôtres pour qu'ils viennent rester chez elle. Écoutez son plaidoyer.
vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Cette femme vient de croire. Elle demande d'être jugée sur sa fidélité. Qu'elle a démontré quand? Comment? Elle venait de donner sa vie au Seigneur. Elle dit aux apôtres, si vous me jugez fidèle, jugez-moi et voyez si je ne suis pas fidèle au Seigneur. Sur quelle base est-ce que sa fidélité devait être jugée alors qu'elle vient de donner sa vie au Seigneur? C'est là où nous comprenons que quand cette femme a reçu Jésus dans sa vie, elle est baptisée avec sa famille parce qu'elle est allée prêcher à sa famille. Elle est allée prêcher à sa famille. Et les membres de sa famille sont venus au baptême. Elle a été baptisée. Et elle dit aux apôtres, si vous me jugez, fidèle. La fidélité d'un croyant, c'est les âmes que tu as gagnées. Si tu n'as pas gagné des âmes, tu es infidèle au Seigneur. Tout ce que tu fais, c'est du bruit. On juge la fidélité d'un croyant à la présentation des âmes gagnées. Et une âme gagnée, ce n'est pas dans les listes. Tu peux considérer qu'une âme est gagnée quand elle a été baptisée. Fidélité d'un croyant ne s'invente pas. On la juge par la présentation des âmes gagnées au Seigneur Jésus. Pardon, demande doucement à ton voisin, est-ce que tu es fidèle? S'il dit oui, demande-lui seulement combien. C'est-à-dire, tu as déjà amené combien d'âmes au Seigneur? Et qu'il te donne le nombre. S'il n'y en a pas, dis-lui doucement avec un sourire, infidèle, tais-toi, reste tranquille. Et exhorte-le. Dis-lui, deviens fidèle au Seigneur. Que 5 personnes viennent proclamer la fidélité d'un croyant ne s'invente pas. Elle est jugée à la présentation des âmes gagnées. Ou elle se juge à la présentation des âmes gagnées. La fidélité d'un croyant ne s'invente pas. Elle se juge à la présentation des âmes gagnées. Seigneur, nous te disons merci pour cette grande vérité, Seigneur. La fidélité d'un croyant ne s'invente pas. Mais elle se mesure par les âmes gagnées, Seigneur. Et nous voyons la fidélité, Seigneur, de Lydie. Après qu'elle a reçu l'évangile d'une manière authentique, elle est entrée dans sa famille. Elle a prêché. Et tous les membres de sa famille se sont donnés au Seigneur. Merci pour cette grande école, Seigneur. Merci pour le modèle, Seigneur, de vie de la sœur Lydie, Seigneur notre Dieu, que tu nous présentes, Seigneur.
Seigneur notre Dieu, je m'engage à être comme Lydie, Seigneur. Je m'engage à être fidèle en gagnant les âmes, en prêchant, Seigneur, en présentant les âmes, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je prie que chaque frère ici présent, Seigneur notre Dieu, mesure sa fidélité, c'est à travers les âmes gagnées, Seigneur, à travers les âmes qu'il présente au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous croyons ces paroles. C'est pourquoi nous les proclamons devant toi en disant que la fidélité d'un croyant ne s'invente pas, Seigneur, mais elle se mesure par les âmes gagnées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 31, verset 23 ou 24, selon les versions. Version Louis Segond. Psaume 31, verset 23. Je disais dans donc ma prière. Donc c'est le 24, dans ta version. Okay. Psaume 31, verset 24, version Louis Segond. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Amen. Encore. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Le Seigneur garde qui? Dis-le plus fort. L'Éternel garde les fidèles. Si tu es fidèle, Dieu va te garder. L'Éternel garde les fidèles. Si tu es fidèle. Et nous avons appris ce que c'est que la fidélité selon la parole. Quelqu'un de fidèle, c'est une personne qui gagne les âmes. Et si tu es fidèle, Dieu va. Il va te garder. Si tu es infidèle, l'ennemi va te récupérer. Lydie n'a pas attendu des semaines, des mois, des années pour être fidèle. Le jour même de sa conversion, elle pouvait dire, si vous me jugez, fidèle. Il y en a après une semaine, un mois, un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, aucune âme dans l'église. Et même plus, je me rappelle à une réunion d'enseignement à Yaoundé. Dans le PIF, le frère Zach a demandé à une sœur, est-ce que tu as jamais conduit quelqu'un au Seigneur? Elle a dit non. Et il lui a demandé, tu as combien d'années dans la foi? Elle a dit 20 ans. Fidèle au Seigneur pendant 20 ans. Et vous savez que la sentence finale, ce sera bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. L'Éternel garde les fidèles. L'Éternel garde les
L'Éternel garde les fidèles. Si tu n'as pas gagné une âme, tu es en danger. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Applaudissez pour mon interprète en anglais. Clap for my interpreter in English. Enfin, tu es là. At last, you are present. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Que nos frères d'expression anglaise nous pardonnent. May our brethren who speak English forgive us. Surtout ceux qui suivent en ligne. Especially those who are following online. Ou à la télévision. Or on television. De ce qu'on n'a pas pris cette disposition plus tôt. Because we did not get prepared earlier. Dix personnes viennent proclamer. Mais 10 people come. L'Éternel garde les fidèles. The Lord keeps the faithful ones. Et tu finis en disant, et je vais être fidèle. And you come and say, yes, I'll be faithful. Je vais gagner les hommes. I will souls. C'est une réalité. C'est une réalité. Nous proclamons que l'Éternel garde effectivement des hommes fidèles. Et je m'engage à être fidèle en gagnant davantage des âmes. Au nom de Christ. Amen. Je proclame que l'Éternel garde les fidèles et je vais être fidèle en gagnant les âmes. Amen. Je proclame que l'Éternel garde les fidèles. Je m'engage à être fidèle en gagnant les âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame que l'Éternel est fidèle. Je proclame que Dieu l'Éternel garde les fidèles. Et ce soir même, je vais gagner une âme pour montrer à Dieu que je suis fidèle. Amen. Amen. On pourrait aisément dire que le problème de l'Église, c'est que l'Église est remplie d'hommes et de femmes infidèles. Is full of women and men who are unfaithful. J'espère que tu n'en fais pas partie. J'espère que tu n'en fais pas partie. I believe that you are not part of it. I hope that you are not part of it. Des infidèles dans l'église. Unfaithful ones in the church. Le Seigneur garde les fidèles. The Lord keeps the faithful ones. Satan récupère les infidèles. Satan takes the unfaithful ones. Mes frères et mes sœurs. Brothers and sisters. J'aimerais qu'on me montre. I want you to show. Ce croyant-là. That believer. Qui a gagné des âmes qui sont dans l'église. Was one soul in the church. Et qui après cela a rétrogradé. And after that, backslides. En laissant dans l'église. By leaving the church. Les âmes qu'il a gagnées. The souls that he won. Je vous assure que si ça existe. I'm sure that if it exists. C'est bien rare. It's rare. Mais j'ai vu beaucoup de gens. But I saw many people. Les troubles faits dans l'église. Ceux qui apportent le désordre dans l'église. They bring disorder in the church. Cherchez bien. They do nothing. Vous allez voir qu'ils n'ont personne dans l'église. You see, there are nobody in the church. Et même si on dit qu'il a un disciple, on le lui a donné, il ne l'a pas gagné. But if he had a disciple, it was given to him. He didn't read it. Cherche. Seek for it. Et montre-moi un croyant. And show me a believer.
dans l'église, in the church, gagné par quelqu'un, won by somebody, qui a abandonné le Seigneur, and has abandoned the Lord. Satan récupère les infidèles. Satan take back their faithful ones. Il vient dans une église comme celle-ci. He come in the church like this one. Où sont les infidèles de cette église? Where are the faithful ones of the church? Infidèles au Seigneur. And faithful to the Lord. Et il met sa main sur eux. And he lays his hand upon it. Pourquoi? For what? Il sait que le Seigneur ne les garde pas. He knows that the Lord does not keep them. Pourquoi? Why? Parce qu'il garde les. Because he keeps. Il garde les. He keeps. Oh, dis-le plus fort. Say it louder. Voilà pourquoi il est si facile à l'ennemi de récupérer les infidèles. This is why the enemy decides to take back the unfaithful ones. Ceux qui n'ont gagné personne dans l'église. Those who have won nobody. Parce que les fidèles. Because the faithful ones. Il ne peut pas les toucher. He cannot touch them. En tout cas, pas facilement. In fact, not easily. Pourquoi? Why? Dieu les garde. God keeps them. Oh Seigneur, tu les visites. Tu les visites. Oh Dieu, visite ses frères et sœurs. Depuis un an, deux ans, trois ans, plus que ça, tu n'as jamais gagné une seule âme pour toi. Dieu les excuse, Seigneur. Réveille-toi à eux. S'il te plaît, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Que chacun, Seigneur, se lève. Pour quitter la couverture du diable, pour être fidèle, en payant le prix pour gagner les âmes pour toi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, que ta parole me touche, Seigneur, je te supplie, oh Père, que nous qui avons gagné les âmes, mais nous sommes arrêtés, nous sommes aussi infidèles, Seigneur. Oh Dieu, merci parce que tu m'as amené ici. Pour me renouveler. Seigneur, je te supplie que tous qui nous sommes arrêtés pendant la course, qu'on se regarde infidèles pour nous lever et continuer la marche avec toi. Que nous nous levons pour continuer à gagner les âmes, pour être fidèles avec toi. Seigneur, je te supplie, interviens pour nous, Seigneur, et pour les autres. S'il te plaît, réveille-toi, nos frères. Réveille-toi aussi à eux. Seigneur, nous ne voulons pas des infidèles de l'église. Nous voulons être tous, Seigneur, sous ta couverture. Des infidèles pour gagner des âmes pour toi. S'il te plaît, fais-le pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je supplie ta grâce. Aie pitié de moi. Aie compassion, grand Dieu. J'implore ta grâce. Seigneur, j'en fais partie. Seigneur, je suis infidèle. Seigneur, je suis infidèle. Seigneur, je suis infidèle. Oh, mais j'avais honte. Honte de prêcher l'évangile. Honte, Seigneur, de reconnaître que j'ai donné ma vie à Jésus. Seigneur, je prends l'engagement. Oh, mais devant toi et devant mes frères, de m'engager à prêcher l'évangile. À prêcher l'évangile. À prêcher l'évangile. Et à gagner les âmes pour toi. Seigneur, afin que je sois fidèle devant toi, afin que tu me reconnaisses en tant que fidèle devant toi. Oh Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, aie compassion. Je supplie ta grâce, je supplie ta fidélité. Je prends Seigneur l'engagement, je prends Seigneur ma responsabilité. J'assume le choix que je fais. Seigneur, je vais proclamer ton nom, je vais proclamer ton nom, je vais proclamer ton nom, que je donne ma vie à Jésus et je vais prêcher l'évangile. Seigneur, je ne prie honte de toi. Seigneur, j'assume, oh Père éternel, que je donne ma vie à toi, que je
te plaît. Fais le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je voudrais te demander pardon. J'ai cessé d'être fidèle. Je me suis inscrit dans l'assemblée des infidèles. En cessant de gagner les âmes, Seigneur, je voudrais te supplier, Seigneur, de me pardonner, Seigneur, à cause de mon infidélité. Plusieurs ont été infidèles dans mon assemblée et dans l'église. Oh Dieu, puisses-tu avoir compassion de moi, Seigneur, pour avoir compassion de tous ceux qui ont été infidèles à cause de mon infidélité. Jésus-Christ, pardonne, Seigneur. Je comprends juste pourquoi plusieurs ont été saisis par Satan. Quand ils viennent pour visiter l'église, ils cherchent les infidèles pour se saisir d'eux. Et je comprends pourquoi plusieurs ont retrouvé, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié, Seigneur. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous, Seigneur. En tant que berger, nous avons rétrogradé. Nous avons été infidèles. On a conduit plusieurs à être infidèles. Parce qu'on était fidèles. On n'a pas gagné les âmes. Seigneur, ce jour-ci, je reviens. Je reviens déterminant. Je reviens déterminé, Seigneur, à recevoir, oh Dieu, cette vérité dans mon cœur et à m'inscrire dans l'assemblée des fidèles en gagnant les âmes de nouveau, 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 Seigneur. Et je sais que, Seigneur, tu restaures l'Église, tu restaures les frères qui avaient été fidèles, qui sont inscrits dans l'infidélité. Merci Seigneur pour cette révélation. On a cru, oh Dieu, que c'est en donnant, en jeûnant, en priant, en ta fidélité l'assemblée qu'on est fidèle. Mais en réalité, ce que tu gardes, c'est ce qui gagne les âmes. Tu les sécurises. Merci notre Père, notre Dieu. Je te rends la grâce. Je te rends les honneurs. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, notre Dieu, pour cette délivrance que tu opères. J'avais déjà commencé par raser les murs. Je sentais un vide en moi. Je me suis posé la question de ce qui n'allait pas, Seigneur. Je viens de comprendre. J'ai cessé de témoigner. J'ai cessé de témoigner. Et l'insécurité a commencé à me gagner, à gagner mon cœur. J'ai commencé à raser les murs. J'ai commencé à reculer des assemblées. J'ai commencé à m'absenter, moi, pour la première fois, plusieurs fois cette année. J'ai senti la peur de mon âme. Je voyais un vide. Je n'ai plus de disciples. Je n'ai pas de disciples. Je n'ai pas gagné d'âme de plus. J'ai senti la honte. Je ne savais pas comment trouver la solution. J'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution ce soir. Je comprends très bien que je peux encore sortir. Je peux encore témoigner. Je peux encore rappeler mon témoignage, ma vie de conversion aux uns et aux autres autour de moi. Mais j'ai cessé. J'ai regardé mon âge. Et maintenant, je commençais à raser les murs. J'ai commencé à raser les murs, à manquer de choses. J'ai senti cela. Et même l'assemblée, j'ai vu. Et je comprends pourquoi tu m'as dit, lève-toi, fais quelque chose. Mais je ne comprenais pas. Je pensais que c'était fini avec les âmes. Je veux tout recommencer. Je veux tout recommencer. Je t'en supplie, j'ai tout cessé. Ce n'est pas possible. J'étais en insécurité totale. Jean-Claude ne m'a plus jamais revu. Ah, j'ai cessé d'aimer les hommes. Je veux tout recommencer.
Je veux tout recommencer. Je peux encore aller. J'ai la vigueur dans les membres. J'ai la puissance de la compréhension des Écritures. J'ai, oh Dieu, des conseils à donner. Je ne me tairai plus. Je ne me tairai plus. Pour l'amour des âmes perdues, pour les jeunes gens qui sont embrouillés, je peux encore encourager, pousser. Je peux encore dire dans les rues, donner le modèle. Je vais essayer, Seigneur, cette année encore. Je vais essayer maintenant. Je veux tout reprendre. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes soucis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes frères et mes soeurs. Brothers and sisters. Tu es dirigeant. You are a leader. Tu es un pasteur, tu es un berger. You are a pastor, you are a shepherd. Tu regardes ton troupeau. You look at your flock. Tu te poses la question. You ask yourself. Qui est fidèle ici? Who is faithful here? C'est-à-dire? That you say. Qui a déjà? Who has already gagné au moins one at least une âme ici. One soul. Voilà les gens. These are the people qui sont confiés au Seigneur. Who are entrusted to the Lord. Voilà ceux que le Seigneur protège. They are the ones that the Lord voilà keeps. Ceux qu'il garde. They are the ones that the Lord keeps. Tous les autres. The other ones. Sont des problèmes dans ton église, dans ton assemblée. Are there problems in your church, in your house church? Voilà ceux pour qui tu dois intercéder. You are the one for whom you must intercede. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés. Because they are exposed. Dieu garde les fidèles. God keeps the faithful ones. Ils sont là. They are rare. Non pas que de gardiens. Ils n'ont pas de gardien. They are no keeper. L'ennemi peut les ravir à tout moment. The enemy can take them at any moment. Mais quand quelqu'un somebody a déjà gagné has already won a soul qui est dans l'église or in the church, ton cœur peut entrer au repos le concernant. Your heart can be at rest. Pourquoi? Why? Parce que Dieu le garde. Because the Lord keeps him. Pray. Intercede. Pour ceux-là que Dieu ne garde pas encore. For those ones that the Lord does not keep. Un pasteur un peu sage. First, because organise rapidement. Organize quickly. Des sessions d'évangélisation. Session of evangelization. Pour aider ces gens à devenir fidèles. To become faithful. Faithful. Tu les amènes en sortie d'évangélisation. We are serving them. Qu'ils prêchent, qu'ils témoignent. Ils se prêchent, ils se testifient. Et gagnent les âmes. And win souls. Et deviennent fidèles. And they become faithful. Et Dieu les garde. And God keeps them. Je n'amène pas mes brebis en évangélisation. I don't sell my flock to evangelism. Juste parce que je veux gagner les âmes. Because je les amène en évangélisation parce que je veux les garder. Je veux les mettre dans la main de Dieu. Because I want to keep them, I want to put them in the hand of God. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Who understands it? Who? Dis à ton voisin, je vais devenir sage. Tell to your neighbor. Sage. Wise. Le même jour. The same day. Lydie a amené toute sa famille au Seigneur. Elle peut se tenir devant les apôtres. Then they can stand before the apostles. Si vous me jugez fidèle. If you judge me faithful. Regardez. Look at. Ils sont là, ils viennent d'être baptisés. They are just baptized. Jugez de ma fidélité au Seigneur. Judge with my faithfulness to the Lord. Qui
Qui a lu le témoignage de la conversion de notre père, le frère Zach? When you read the testimony of the conversion of our father, brother Zach. Qui a lu le témoignage de sa conversion? When you read the testimony of his conversion. Si tu as bien lu. If you read it well. Quelque chose s'est passé. Something happened. Quand il a donné sa vie au Seigneur. When he gave his life to Jesus, to the Lord. À l'âge de 11 ans. When he was 11 years old. Il dit qu'il a lu un traité. He said he read a tract. Intitulé Quelqu'un est mort pour toi. Title Somebody Dies for You. Il a prié. He prayed. Il a invité Jésus dans sa vie. He invited Jesus to his life. Il nous a dit que le traité disait. He told us the tract was about. Si tu as reçu Jésus dans ta vie. If you have received Jesus into your life, va, go, rendre témoignage, and testify. Et il dit qu'il a couru, and said he ran, de son village, from his village, jusqu'au village voisin où se trouvait son ami, to the neighboring village where his friend was. C'était ça. It was that. Dès sa conversion, after he was converted. Nous amenons les gens au Seigneur. We are leading people to the Lord. Nous n'avons pas imité notre père. We did not imitate our father. Parfois c'est nous-mêmes qui disons non, il ne peut pas sortir évangéliser, c'est un nouveau converti. Sometimes you don't say that he cannot go out to evangelize, he's a new convert. Quand il va grandir un peu, il va sortir. He said, when we mature a bit, you go out. Yay! Yeah. L'ignorance. Ignorant. On peut devenir fidèle et on doit devenir fidèle le jour même de sa conversion. Prevent to be unfaithful the day of conversion. C'est à nous de dire à nos nouveaux convertis. It's about to need the new convert. Va témoigner. Go and testify. Va témoigner. Go and testify. Tu as reçu le Seigneur. Have you received the Lord? Va témoigner. Go and testify. Va témoigner. Go and testify. Il y en a qui disent, oh, il ne connaît pas encore la Bible. No, he doesn't know the Bible yet. No. La femme samaritaine. The Samaritan woman. Le jour même de sa conversion. The same day of his conversion. Une prostituée. A prostitute. Avec qui personne ne voulait marcher. We do not want to walk with. Parce qu'elle avait une sale vie. Because her life was dirty. Solitaire. Alone. Le même jour. The same day. Elle rentre en ville. She went to town. Elle va rendre témoignage. She went to testify. Son message était simple. Venez voir. Her message was simple. Come and see. Quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Somebody who told me everything he has done. Do. You. La Bible ne nous raconte pas les détails. Don't tell us about the details. Mais racontez. Il m'a dit que j'ai escroqué un homme l'autre jour. He told me that I was steal some from somebody one day. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. He told me everything that I did. Il m'a dit que j'ai volé les affaires de la voisine. He said I stole the Il m'a dit que j'ai menti l'autre jour. He said I lied one day. Il m'a tout dit. He told me everything. Tout ce que j'ai fait. Everything that I did. Mais c'était le jour de sa conversion. But it was the day of conversion. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que nous faisons de nos nouveaux convertis? Brothers and sisters, what are you doing about our new converts? Nous devons les amener à être fidèles au Seigneur le jour même de leur conversion. To be faithful to the Lord the same day. Afin que Dieu les. So that God. Afin que Dieu les. So that God. Les garde. We keep them. Lui qui garde les fidèles. The one who keeps the faithful ones. Et tant qu'il n'est pas devenu. Until he has become. Infidèle au Seigneur. And faithful to the Lord. Je sais qu'il est en danger. I know that he's in danger. Et je fais tout. But I do everything. Je l'aide.
I help him. Je l'exhorte, je le pousse. I encourage him, I push him. À gagner les âmes. To win souls. Qu'est-ce que nous avons fait de nos nouveaux convertis? What have we done about our new converts? Il y a un autre problème. There's another problem. Il y en a qui étaient fidèles. Some were faithful before. Et ils ont rétrogradé. And they backslid. Ils étaient fidèles. They were faithful. Il y a 10 ans. 10 years ago. Hey, merci mon converti. Yeah, this is my convert one. Tu l'as gagné quand au Seigneur. When did you win to the Lord? C'est mon fruit. It's my fruit. Il y a 25 ans. 25 years ago. Il y a 15 ans. 15 years ago. Il y a 10 ans. 10 years ago. Il y a 5 ans. 5 years ago. Les enfants de Dieu ne savent pas que il y a un cycle de productivité. The children of God does not know that there is a cycle of productivity. Ouvrons dans Apocalypse au chapitre 22. Lettre Revelation chapter 22. Le verset 2. Verse 2. Parce qu'il y en a qui sont assis, mais alors qu'ils ont rétrogradé, because ils ont seated, abandonné leur fidélité. Despite the fact that they are backslidden, ils sont devenus infidèles. They have become unfaithful. Mais dans le cœur, ils se contentent. Oh. Ce n'est pas de moi qu'on est en train de parler là. This message does not concern me. J'ai 5, j'ai 10, j'ai 15, j'ai 20 dans l'église. I have 10, 15 in the church. Tu peux avoir 100 personnes dans l'église. You can have 100 people in the church. Mais tu es devenu un infidèle. But you have become an unfaithful one. Oui, lis. Yes, read. Apocalypse chapitre 22, le verset 2. Au milieu de la ville. Oh, frère, lis avec vie. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. L'arbre de vie est une figure du Saint-Esprit. The tree of life is a symbol of the Holy Spirit. Le fruit de l'Esprit. The fruit of the Spirit. Quand le Saint-Esprit a été planté en toi. When the Holy Spirit has been planted in you. L'arbre de vie produit combien de fois par an? The tree of life produces how many combien times de fois? Dis-le plus fort. Tell it louder. Chaque mois. Every month. Dieu s'attend. Si l'arbre de vie est planté dans ta vie. If the life of the tree of life is planted in your life. Si le Saint-Esprit vit en toi. He the Holy Spirit dwells in you. Le Seigneur s'attend à ce que chaque mois. The Lord expects from me every month. Tu portes du fruit. You bear fruit. Chaque mois. Each month. Tu portes du fruit. You bear fruit. L'arbre de vie porte du fruit combien de fois par an? The tree of life bears fruit how many times combien per de year? Fois? Dis-le plus fort. Say louder. Certains ne répètent pas parce que some do not repeat ils n'ont pas l'intention. They de porter du fruit 12 fois par an. To bear fruit. Voilà le cycle du Saint-Esprit. The cycle of the Holy Spirit. Dans la productivité. In productivity. Chaque mois. Each month. Porte du fruit. Bear fruit. Demande doucement à ton voisin, le mois passé, est-ce que tu as porté du fruit? What did your neighbor, last month, did you demande bear fruit? Lui ça avec un petit sourire pour qu'il ne se fâche pas. Yeah, ask him by smiling so that he will not get angry. S'il te dit qu'il n'a pas porté du fruit, he said he did not bear fruit.
Avec un sourire, dis-lui, frère, sœur, tu as rétrogradé. And one smile, you say, brother, sister, you are backslidden. To the Lord, maybe he's the one. Any tree that does not bear fruit, he said, any tree does not bear fruit, sera mis au frigo. Yep. Douze fois. 12 times. Chaque mois. Every month. Le mois est en train de finir. The month is getting to the end. I've not one soul yet. Je suis dehors. I'm outside. Pourquoi? Why? Parce que l'arbre de vie. Because the tree of life a un cycle de productivité. A cycle of productivity. Ce n'est pas je portais du fruit il y a 30 ans, il y a 50 ans. It's not up to bear fruit 20 years ago, 10 years ago. Some people today will pray for God to open our eyes. Qu'il y a un cycle de productivité. There is a cycle of productivity. Déterminé par Dieu. Determined by God. Inscrit dans la Bible. Written in the Bible. Chaque mois. Every month. Parce que dans les prières de certains, because the prayer of some, je ne suis pas concerné. Oh. I'm not concerned. Oh. Moi, j'ai quand même mon fruit déjà là. So, my fruit is already there. Il est dans la justice de Dieu. It is into the righteousness of God que la vigne that qui ne produit plus. That does not produce anymore. Dieu dit, God says, tu occupes la terre inutilement. You are using the land uselessly. Tu es en train de dire, Seigneur, enlève-moi rapidement. Because oh no, take me quickly. La fin de la productivité est un message, Seigneur. The hand of production is a message to the Lord. Je ne sers plus à rien. I'm serving for nothing. Prends-moi. Take me. J'ai lu un livre. J'ai lu un livre. I read a book. Écrit par celui qui a écrit la préface. Written by the one who wrote de the notre livre intitulé L'art de l'intercession. That the one who wrote the book The Art of Intercession. Lester Sumrall. Nathan Sema. Le titre du livre c'est Courir avec la vision. The title of the book is To Run with the Vision. C'est un livre autobiographique. It's an autobiographic book. Il avait 17 ans. He was 70 years old. C'était un délinquant. Il était un délinquant.
was a rasta. Et il était en train de mourir. And he was dying. Vomissait du sang. Vomiting blood. Il était couché dans sa chambre. He was lying in his bedroom. Et dit que le médecin était au salon, la porte était entrouverte, il les entendait parler. He said the medical doctor was in the living room, the door was nearly open, could hear him speaking. Et le médecin dit à sa mère. And the medical doctor told to his mother. Madame Soumral. Madame Soumral. J'ai fait tout ce que je pouvais. I did all that I could. Mais c'est fini. But it is finished. Et il a rédigé l'acte de décès. And he wrote the death et il paper. Est parti. And he went. Il dit qu'il était dans la chambre. He said he was in the bedroom. Subitement, il a eu une vision. Suddenly, he had a vision. Sur le mur de sa chambre. About the wall of the bedroom. Il a vu. He saw. Un cercueil ouvert. A coffin open. Et une Bible ouverte. And a Bible open. Et une voix lui a dit, choisis. Et voix donne une chose. Choisis. Chose. Et il dit qu'il avait bien compris. He said he understood well. La Bible ouverte, le Seigneur lui dit. The Bible was open. De choisir de prêcher l'Évangile. The Bible to preach the gospel. Et le cercueil ouvert. And the coffin that was open. Signifiait. Means meant. Le cercueil ouvert signifiait. The coffin meant. La mort. Death. Choisir. Choose. Et dit qu'il a dit au Seigneur. He said, he told the Lord. Si pour vivre. If to live. La condition c'est que je prêche. The condition is for me to preach. Je vais prêcher cet évangile. I will preach the gospel. Jusqu'à ce que je vais mourir très vieux. Until I will die old. Lester Sumrall est mort. Lester Sumrall was dead. Il n'y avait pas très longtemps. Not very soon, very soon he has died. Il avait plus de 90 ans. He was more than 90 years old. Le lendemain. The following day. 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 Alors, il sort de la chambre. He came out of the bedroom. Après avoir choisi de prêcher l'évangile. After choosing to preach the gospel. Il a été instantanément guéri. He was instantaneously healed. Il sort de la chambre. He got out of the bedroom. Sa mère a reculé, croyant voir un revenant. His mother went back, knowing that he was a ghost. Il était complètement guéri. He was completely healed. Et le lendemain. And the following day. Dit qu'il a pris une petite valise. He took a small suitcase. Il a pris sa Bible. He took his Bible. Il est sorti de la maison. He went out of the room. Et il prêchait. He was preaching. De lycée en lycée. From high school to high school. D'établissement en établissement. From school to schools. Et c'était le point de départ d'un ministère d'évangéliste extraordinaire. At the ministry of an evangelist. Applaudissons pour le Seigneur. Cover the Lord. Alléluia. Alléluia. Lève la main droite. Lève your right hand. Et dis, Seigneur, je choisis la vie. I say, Lord, I choose life. Et je vais prêcher cet évangile. And you preach the gospel. Jusqu'à mon dernier souffle. Until my last breath. Et je mourrai très vieux. And I will die very old. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Oui, applaudissons la, la, la. Pour le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu es là? Are you present? Est-ce que quelque chose va changer? Yes, something that happened. Non, on ne dit pas oui, on dit ça a déjà changé. Est-ce que quelque changed. Chose va changer? Has something changed? Hallelujah! Hallelujah! Acte chapitre 9. Acte chapitre 9.
Nous devons faire quelque chose. You must do something. Le traitement de nos nouveaux convertis. The treatment of the new converts. L'apôtre Paul vient de donner sa vie au Seigneur. Apostle Paul, I just gave his life to Jesus. Il a été rendu aveugle. He was blind. Par cette grande lumière venant du ciel. By that great light that came from heaven. Dieu envoie Ananias vers lui. God sent Ananias to him. Ananias arrive. Ananias came. Lui pose les mains. He lay hand upon him. Qu'est-ce qui est tombé de ses yeux? What fell from his eyes? Dis-le plus fort. Tell louder. Les gens disent que le brisement de lien n'est pas biblique. Mes frères et mes sœurs, c'est un brisement de lien. Bible said that the breaking of your ties is not biblical, but it was a breaking of evil ties. Quels sont ces écailles qui tombent des yeux après la conversion? What is scales that fell from the eyes after his conversion? Les escailles d'aveuglement. The scales of blindness. De l'esprit religieux qui avait pris possession de lui. Or the spirit of religious that possessed him. Qui l'amena à tuer les croyants pensant qu'ils servent Dieu. That led him to keep believers believing they were serving God. Est-ce que ces liens ont été brisés? Where his ties broken? Lui impose les mains. He lay hand upon him. Dieu envoya Ananias lui rendre ministère. And God turned to Ananias to minister to him. Il était déjà un enfant de Dieu. He was already a child of God. Il avait accepté le Seigneur. He accepted the Lord. Il avait même demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? He even asked the Lord, what do you want me to do? Mais tout n'était pas fini. Everything was not finished yet. Il avait besoin d'un ministère. He needed a ministry. Nous l'appelons aujourd'hui brisement de liens. The breaking of your ties. Et ses yeux se sont ouverts. And his eyes were open. Il a mangé, il a repris de la force. He ate and he had strength. Verset 20. Verse 20. Non, lis 19 et 20. Read 19 and 20. Acte chapitre 9, du verset 19 au verset 20. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues. Yeah. Et aussitôt, qu'est-ce qu'il a fait? And on the spot, what did he do? Dis avec moi, aussitôt. Certainement, on the spot. Aussitôt. On the spot. La chose suivante. The next stage. Dès qu'il s'est retrouvé, and he found himself in, il pouvait marcher, he could walk, he could il walk, pouvait voir, he could see. Voilà les usines où se fabriquent les apôtres Paul. These are the usines where Apostle Paul are fabricated. Dès la conversion, as soon as he was converted, ils sont sur le champ d'évangélisation. On the field of evangelization. Voilà l'usine dans laquelle notre père, le frère Zaka, a été fabriqué. Apostle Paul was made. Le premier acte. The first act. Après avoir reçu Jésus. After receiving Jesus. C'était d'aller témoigner. Is to go and testify. Le chemin assure, Seigneur. Je voudrais te bénir, te rendre grâce, Seigneur.
Lydie, dès sa conversion, a prêché l'évangile à toute sa famille. La femme samaritaine, dès sa conversion, a prêché l'évangile. Et maintenant, tu nous montres l'apôtre Paul. Dès sa conversion, il s'est mis à prêcher l'évangile. Oh, notre Dieu, que les écailles tombent. Que les écailles tombent, Seigneur. Que les écailles tombent. Afin que notre Dieu, nous suivions ce modèle biblique. Nous marchions selon ce modèle biblique. Nous vivions selon le modèle biblique, Seigneur. Afin que nos églises soient fondées selon le modèle biblique et non selon les pensées humaines. Nous te bénissons pour cette vérité que tu introduis dans notre cœur, dans le très fond de notre cœur, que cette vérité reste, que cette vérité nous provoque à sortir et à aller vivre selon la Bible. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai limité ta main. Seigneur, j'ai trié les brebis. J'ai cru que les faibles devaient être fortes, aguerris avant de sortir prêcher l'évangile. Et on a tourné en rond, en rond. Seigneur, parce que c'est toi qui conduis ton œuvre. Seigneur, parce que nous devons suivre ta sagesse et non notre sagesse, Seigneur. Merci parce que tu me délivres ce jour. Seigneur, je me fais à la folie et je décide de croire en toi, Seigneur, que tu peux faire d'un jeune croyant un Paul, pourvu que nous suivons ta vision, pourvu que nous obéissions, Seigneur, au modèle biblique que tu as laissé. Seigneur, merci pour le voile que tu déchires. Merci parce que tu me relèves, que tu me ramènes, Seigneur. Et dès ce jour, je décide de corriger tout cela, Seigneur, au sein de l'Assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, oh Dieu, je décide, Père éternel, ce soir, d'entrer dans cette usine, oh Dieu, par laquelle l'apôtre Paul est passé, Seigneur. Oh Dieu, ce qui a fait qu'aussitôt, il s'est levé pour prêcher. Oh Seigneur, je doute, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu, j'ignorais, oh Dieu, cette vérité. Et Seigneur, quand les gens croient nouvellement, oh, je dis que, Seigneur, oh, il faut que la personne comprenne beaucoup de choses d'abord. Père, oh Dieu, je te demande pardon pour cette ignorance. Oh, Seigneur, oh, d'avoir marché contre ta volonté. Père, je prie que tu me pardonnes. Oh, je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes. Oh, je décide aujourd'hui d'entrer dans cette école. Oh, Dieu, de foi, Seigneur. Oh, Dieu, cette école, oh, dont on sort aussitôt pour, Seigneur, pour mettre en pratique ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Pray the Lord. Tu veux vraiment que les choses soient corrigées. You want things to be corrected. Tu as vraiment entendu. You have heard it well. Et tu veux battre le fer quand il est chaud. You want to beat the iron when it is hot. Tu vas avancer au rythme de Dieu. Want to go to the realms of God. Au rythme normal du Saint-Esprit. To the right rhythms of the Holy Spirit. Chaque mois. Every month. Tu veux t'engager à porter du fruit. You can commit yourself to win souls. To bear fruit. Lève-toi. Stand up. Nous allons prier. We are going to pray. Je viens m'inscrire dans la fidélité. I want to get registered in being faithful. Je veux m'inscrire à la fidélité dans la productivité. I want to be faithful in productivity. Chaque mois, Seigneur. Every month, Lord. Je vais porter du fruit. I bear fruit. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Can you pray in this way? Prions ensemble. Let us pray together. Je m'inscris
de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je vais inviter mon frère. I'm inviting my brother. Jojo venir prier. Jojo to come and pray. Et engager. And commit. Tous ceux qui sont là. All those who are present. Et ceux qui nous suivent en ligne. And those who follow us online. Au cycle de productivité. To the cycle of productivity. De la Bible. Or the Bible. 12 fois par an. 12 times per year. Est-ce que tu le veux? Alors lève ta main droite pendant que nous prions. Éternel Seigneur notre Dieu, nous nous saisissons de ta parole. Et Père, nous nous engageons à la fidélité, dans la productivité. Père, chacun d'entre nous ici présents et tous ceux qui nous suivent en ligne. Au nom précieux et puissant de Jésus, Seigneur, nous nous inscrivons au nombre, Seigneur, de cette armée d'évangélistes, de cette armée de fidèles qui seront productifs au nom de Jésus. Seigneur, qu'achète notre engagement. Amen. 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 Acclamation pour le roi des rois. Clap for the Lord. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Alléluia, alléluia. Lève ta main droite. Raise your right hand. Et dis Seigneur Jésus. It's the Lord Jesus. Chaque mois. Every month. Je serai dans les rues. I'll be in the streets. Chaque mois. Every month. Nous serons dans les rues. You'll be in the streets. Pour saisir. To lay hold. Les milliers. Les dizaines de milliers. Ten of thousands of people. Les centaines de milliers. Hundreds of thousands of people. De cette ville et de ce pays. Et bientôt les millions. Millions. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Chaque mois. Every month. Je vais porter du fruit. I bear fruit. Je vais manifester ma fidélité à mon Dieu. I must bear the faithfulness of God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Prenez-le. Asseyons-nous. Let us be seated.
Gloire à Jésus. Praise the Lord Jesus. Si tu es content, dis je suis content. If you're happy, say I'm happy. Si quelque chose a bougé, dis alléluia. If something has moved, say alléluia. Si tu es entré dans le cycle de productivité biblique, clap des mains. If you entered the Bible cycle of productivity, clap for your hands. Clap your hands. Hallelujah. Là, tu applaudis pour ton voisin. Now you are clapping for your neighbor. Applaudis maintenant pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Clap for the King of the Kings, the Lord of the Lords. Clap, 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 clap. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Let us be seated. Nous allons relire le psaume 31, le verset 24. You are going to read Psalm 31, verse 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Amen. 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 L'Éternel garde. De la kips. L'Éternel garde. De la kips. Les fidèles. Des faits fous. J'aimerais qu'on lise. I want to read. Le nom. The name. Par lequel. By which. Ou par lesquels sont désignés les fidèles dans les autres versions. By which the faithful ones are called in the other versions. Second révisé. Lui second révisé. Revise le second. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. Lord the one, the faithful ones. L'Éternel garde les croyants. The Lord keeps the believers. L'Éternel garde. The Lord keeps. Ouais, dans lui second, l'édition de 1910. Il dit les fidèles the, ici. Il 1910. Dit here says les croyants. He said, here said the believers. Si tu n'es pas devenu fidèle. If you have not become faithful. Il se pourrait que tu ne sois même peut-être pas regardé comme un croyant. You might not be regarded as a believer. Parole de vie. A word of life. Aimez le Seigneur pour tous ses fidèles. Lord, all you is a servant. Le Seigneur protège the ceux qui croient en lui. The one who believes in him. Ici, les fidèles, il les appelle ceux qui. He had the faithful ones are called. Ceux qui croient en lui. Those who believe in him. Quand tu as gagné une âme. When you have won a soul. Tu as démontré à Dieu que tu. You have shown to God that. Que tu crois en lui. That you believe in him. Nouvelle Bible second. New Bible, second New Bible. On abrégé dit NBS. Abbreviated NPS. Aimez le Seigneur, vous tous ses fidèles. Lord of all, the Lord, all his faithful ones. Le Seigneur garde les hommes sûrs. The Lord keeps sure men. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Tu n'as pas gagné une âme au Seigneur. You have not won a soul to the Lord. Le ciel te regarde comme une personne qui n'est pas sûre. Who is not sure. On a des raisons de douter de toi. It must not come from you. Demande à ton voisin, tu as. Ask your neighbor. Tu as combien dans l'église? Tu as combien dans l'église? How many people do I in the church? S'il dit zéro, retire ta chaise
Il sait zéro et barrière. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Dieu est assis à côté de quelqu'un de dangereux. Il a chuté la raison, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Peut-être même que ta vie est en danger. You're like, might be in danger. Mais tu es assis à côté d'un gangster. Maybe I sit there near a gangster. Il n'est pas sûr. He's not sure. Ce n'est pas un homme sûr. He's not a man who is sure. Ce n'est pas une femme sûre. He's not a woman who is sure. Tu as des raisons de douter de lui. You have the reason to doubt of him. Quand la Bible dit que quelqu'un n'est pas sûr, when the Bible says somebody is not sure, tu lui fais confiance sur quelle base? And on a real basis, you trust him. Okay. Okay. Demande-lui, mon frère, est-ce que tu es un homme sûr? Ask him, my brother, are you a man who is sure? Est-ce que tu es une femme sûre? Are you a woman who is sure? Est-ce que je suis en sécurité à côté de toi? Am I in security near you? Aussi? Gloire à Jésus. Praise the Lord. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Relis le verset. Read it again, the verse. Psaume chapitre 31, le verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Yeah. Il punit qui? Who did he punish? Quelqu'un qui n'est pas fidèle. Somebody who is not faithful. Mes frères et mes sœurs. My brothers and sisters. Les gens ne prêchent pas l'évangile. They only doesn't preach the gospel. À cause de l'orgueil. Because of pride. À cause de l'orgueil. Because of proudness. Romains 1, verset 16. Romans chapter 16. Paul s'est cru obligé de déclarer, je n'ai pas honte de l'évangile. Paul déclare, I'm not ashamed of the gospel. L'orgueil a honte de l'évangile. The proud is ashamed of the gospel. Il a honte de l'évangile. He's ashamed of the gospel. Il a honte. He's ashamed. Il a honte. He's ashamed. Paul a cru devoir affirmer. Paul was right to affirm. Parce que le premier ennemi obstacle à l'évangile. Because the first obstacle to the gospel. Mes frères et mes sœurs, c'est l'orgueil. Is a pride. Que manifeste la honte de plusieurs à prêcher. That you manifest that prevents you from preaching the gospel. À prêcher dans certains milieux. To preach in some areas. À prêcher à certaines personnes. To preach to some people. Le premier ennemi. The first enemy. Obstacle au gagnement des hommes. Obstacle to the win of souls. S'appelle la honte de l'évangile. It's called be ashamed of the gospel. Mes frères et mes sœurs. My brothers and sisters. Ce sont de mauvais esprits qui sortent de l'enfer. These are the evil spirits coming from hell. They investissent de honte. That invest in shame. Et tu fermes la bouche. And you là où close tu devrais your parler. Mouth. Là où Dieu a préparé les cœurs, tu as la bouche fermée. Proud in your heart. Cause de l'orgueil. Because of pride. Tu as honte. You are ashamed. 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 Honte. Ashamed. De celui qui est mort nu à la croix pour toi. Ashamed of dead on the cross for you.
Lui le Fils de Dieu. He the Son of God. J'aimerais qu'on se mette debout. On has to stand. Et tu vas juger la honte de l'évangile dans ta vie. Be ashamed of the gospel. Tu vas briser les chaînes. You break the chains. Les chaînes de la honte. The chain of shameness. Les chaînes de la honte. The chain of shameness. Mes frères, ce sont de mauvais esprits. You are the evil spirits. Qui viennent de l'enfer. That come from hell. Subitement, tu as honte. Suddenly, you are ashamed. Il y a comme une peur paralysante. Yeah, you are afraid, paralyzed. Prie. Pray. Et dis, Seigneur, aujourd'hui. And say, Lord, today. Je brise les chaînes. I break the chains. De la honte. Of shameless. De prêcher l'évangile. Of preaching the gospel. Les chaînes de la peur. The chains of fear. Jésus. Name of Jesus. Au nom de Jésus. Name of Jesus. Au nom de Jésus. Name of Jesus. Nous proclamons que les chaînes de la honte de l'évangile sont brisées dans you ta vie. You broken the chain of shame of the gospel. Au broken. Nom de Jésus. Name of Jesus. Les chaînes de la honte. The chain of shame. Les chaînes de la peur. The chains of fear. Les chaînes des complexes. The chains of complexity. Sont brisées dans ma vie. Are broken into our life. Pour toujours. For always. Pour toujours. Forever, ever. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Partout. Everywhere. Et à quiconque. And anyone. Je vais prêcher l'évangile. I will preach the gospel. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Asseyons-nous. Let us be seated. Oui, applaudissons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Cinq personnes viennent proclamer. Five people should come and proclaim. Mes frères, c'est un groupe. Brothers, sisters, it's a group. L'orgueil a honte. Pride and shame. L'orgueil a honte. Pride and shame. Et ça se manifeste, cet orgueil par la honte. Il manifeste par shame. La peur. Fier. Manifeste toutes sortes de complexes. Manifeste toutes sortes de complexes. Oh, c'est un homme riche. Oh, he's a rich man. Je ne peux pas l'approcher. I cannot go near him. Oh, il est bien habillé. Oh, he's well dressed. La Bible dit. The Bible says. À tous ceux qui l'ont reçu. For all those who have received him. À ceux qui croient en son nom. All those who believe in his name. La parole de Dieu a donné le pouvoir the de devenir. The word of God gives the power. De devenir. To become. De devenir. To become. De devenir. To become. Dis, je suis un enfant de Dieu. Say, I'm a child of God. Au-dessus de tout homme qui ne connaît pas Christ. About everybody who does not know Christ. Mes complexes sont enterrés aujourd'hui. My complex is buried today. Amen. Amen. Priez. Pray. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que les chaînes de la honte de l'évangile sont brisées
Les chaînes du complexe sont brisées. Les chaînes de l'orgueil sont brisées. Nous proclamons que nous allons prêcher l'évangile à quiconque, partout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que les chaînes de la honte sont brisées, brisées, brisées. Nous proclamons que les chaînes de la peur sont brisées. Au nom de Jésus-Christ, les chaînes du complexe sont brisées. Les chaînes, oh Dieu du doute, tout ce qui est chaînes liées, que nous avons peur de proclamer l'évangile, sont brisées, brisées, brisées. Maintenant nous sortons, nous avons prêché l'évangile avec victoire et gagné les âmes. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Au nom de Jésus, nous proclamons ce soir que les chaînes de la honte sont brisées. Nous proclamons que les chaînes de l'orgueil sont enterrées au nom de Jésus-Christ. Nous cassons les portes de l'enfer. Nous brisons les chaînes. Nous cassons les chaînes. Nous proclamons la liberté des frères au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que les chaînes de la honte et de la prédication de l'évangile sont brisées. Tous ces esprits attachés à la honte de la prédication de l'évangile sont jugés. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons toute muraille devant la prédication de l'évangile et nous proclamons la liberté de la proclamation de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que les chaînes de la honte sont brisées et que l'évangile sera prêché à temps et à contre-temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus, je proclame que je suis libre de toi, orgueil. Au nom de Jésus, je proclame que tes chaînes sont brisées. À moi qui l'ai reçu, Jésus-Christ m'a donné la puissance d'être appelé enfant de Dieu. Et je suis au-dessus de toute créature qui n'a pas encore reçu Jésus. Et j'ai quelque chose à porter. Au nom de Jésus, je veux prêcher l'évangile et gagner les âmes. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que les chaînes de la honte de l'évangile sont brisées. Nous proclamons que les chaînes de l'hésitation sont brisées. Les chaînes du rejet à plus tard écrasées. Nous libérons le désir de prêcher l'évangile aux grands et aux petits, à quiconque, en quelque lieu que ce soit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que les chaînes de la honte de l'évangile sont brisées. Les chaînes de la paix sont brisées. Les chaînes du doux sont brisées. Les chaînes du complexe sont brisées. Je proclame que je vais prêcher l'évangile à quiconque, partout où je serai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que les chaînes de la honte de prêcher l'évangile partout, en tout temps, en tout lieu, que ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Nous proclamons que les chaînes de tout complexe sont brisées. Les démons derrière, ces chaînes sont chaussées. Et les enfants de Dieu sont libérés pour aller prêcher l'évangile partout, en tout temps, en tout lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Pray the Lord. Gloire à Jésus. Pray the Lord. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. We stop here today. Dis à ton voisin, bienvenue à l'école d'évangélisation. Tell your neighbor, welcome to the school of evangelization. Dis-lui, persévère dans l'école d'évangélisation. Persévère in the school of evangelization. Sois là demain. Be present tomorrow. Demain, par la grâce de Dieu. Tomorrow. Demain, c'est de 9h à 15h. Tomorrow, from 9 a.m. to 3 p.m. Nous te conseillons de prendre un bon petit déjeuner. We ask you to have a good breakfast.
et d'être là à l'heure. And to be on time. Nous sommes en train d'essayer de donner en 3 jours un cours qui prend normalement 2 semaines. We are trying to do a course in 3 days, which normally takes 2 weeks. Sois là à l'heure. Be on time. Demain, nous allons tomorrow, étudier l'art du suivi selon les apôtres. We study the art of following up according to the books of the apostles. L'art du suivi des nouveaux convertis. The art of following up the new converts according to the books of Acts of the apostles. Okay. Sorry, thank you. According to the model of the apostles. Thank you. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. May the Lord Jesus bless you.